70 émissions qu'on va avoir fait sur la forêt et plus. On commence la saison aujourd'hui à Sainte-Christine d'Auvergne avec mes invités. Alors, je vais vous les présenter. Tout d'abord, Sylvain. Oui, moi, je m'appelle Sylvain Nau. Je suis propriétaire de Charbon de Bois Feuilles d'Érable avec Régent Plamondon. Au début, j'ai acheté Charbon de Bois Feuilles d'Érable en 2013 et à la cinquième année, Régent est venu se joindre à moi comme actionnaire dans l'entreprise. Régent, ça fait combien de temps que tu es à... Moi, ça va faire pratiquement 8 mois. Je rentre au mois de décembre 2018 okay. avec Sylvain, c'est ça. Donc, c'est ça. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, ça va probablement être en deux émissions. On va vraiment faire une tournée de ce que c'est maintenant, charbon de bois, feuilles d'érable, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux défis, tout ça. Et j'aimerais peut-être, Sylvain, que tu nous parles un petit peu, justement, quand tu as acheté ici cette entreprise-là, à quoi tu t'attendais? Est-ce que c'était quelque chose que tu disais, là, on va voir ce qu'on peut faire avec ça? C'était quoi ta vision de base? Au début, j'ai commencé à transformer du bois de chauffage. J'avais une compagnie qui s'appelait Bois de chauffage Écono. J'ai commencé à transformer du bois de chauffage dans la cour ici. Puis là, je suis devenu un passionné de la combustion du bois puis le chauffage. Et j'ai aidé beaucoup Mme Dugas quand elle avait des problèmes à ses fourneaux. J'ai donné un coup de main. Je vendais mes résidus puis elle fabriquait du charbon. Puis tout au long de ces années-là que j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai appris. J'ai appris un peu. Puis là, Mme Dugas, en 2011, m'a approché pour que je devienne un actionnaire ici. Puis en fin de compte, en 2013, ça s'est concrétisé. Là, la passion du bois et du charbon, ça a toujours été en moi. Quand on est devenu propriétaire en 2013, je me souviens que j'étais allé voir les employés, puis je disais aux employés, parce que le charbon, c'est beaucoup de noir de carbone, ouais. C'est salissien. Ce n'est pas des jobs qui sont propres, mais les travailleurs qu'on a ici sont vraiment formidables. Puis je disais aux employés, j'ai hâte du jour où on va donner une valeur à la poudre, ce que vous avez dans la figure, pour que vous sortiez d'ici propre. Fait que, tout au long des années, on a réussi à être capable de vendre la poudre. Juste avant qu'on continue là-dessus, Régent, toi, pourquoi tu t'es intéressé à ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Avec Sylvain, ça faisait longtemps qu'on se parlait, qu'on voulait se partir d'entreprise ensemble. Moi, avant ça, j'étais au Provigo. J'ai vendu mon Provigo en 2017. Fait que ça faisait un an et demi que j'étais arrêté. Fait que l'occasion est arrivée que là, j'ai voulu investir avec Sylvain. Fait que j'ai racheté des parts de Simon. Puis depuis ce temps-là, moi, je m'occupe plus, point de vue administratif, de bureau. Puis Sylvain est plus dans la cour, s'occuper des opérations quotidiennes, tout ça. Fait que, c'est vraiment un gros changement de domaine. Oui, c'est ça, c'est un gros changement de domaine. C'est un domaine plus de vente, c'est un domaine plus manufacturier. C'est complètement différent. Là. Fait que ce qu'on va faire avec Sylvain, c'est que Sylvain me monte un petit peu. Souvent, je vais dans le cours, je vais voir avec les gars comment ça fonctionne. T'es un petit peu encore en apprentissage. Oui, c'est ça, on peut pas tout connaître dans 7-8 mois. Là. Fait que avec Sylvain, on essaie d'intégrer ça ensemble, on travaille ensemble pour ça. Puis, ça représente quoi maintenant, charbon de bois, feuilles d'érable? Est-ce qu'il y a le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, c'est où que vous vendez vos choses? On va aller là-dedans direct. Là. OK. On a une trentaine d'employés avec un chiffre d'affaires d'environ 5 millions. OK. Et puis, quand on dit 30 employés, est-ce qu'ils sont tous ici? Est-ce qu'il y en a en transport? Comment ça fonctionne? Non, les employés sont tous ici. Il y a les employés de bureau, puis les employés de la cour. Quand on va faire le tour, on va vous montrer les opérations. Vous allez avoir l'occasion de rencontrer tous les employés. Il y a la carbonisation qui opère sur 3 chiffres, mais le reste du temps, c'est du lundi au vendredi, des chiffres de jour. OK.
On va tout expliquer ça tantôt, là, c'est ça. Mais est-ce que charbon de bois, feuilles d'érable, maintenant, je sais déjà la réponse, mais c'est pas juste le sac de bois avec les briquettes, là. Je pense qu'il y a plus que ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de développement qui s'est fait. On essaie de trouver des nouveaux usages à votre produit du charbon, là. Oui, effectivement, c'est que c'est pas seulement que du charbon pour faire des barbecues, mais on a le charbon. La première des choses, c'est qu'on fait du charbon avec du bois. C'est de la pyrolyse, on appelle ça de la pyrolyse lente. On à l'étouffer, on fait brûler du bois, mais on coupe l'oxygène, puis là, le bois, au lieu de brûler, il cuit. Okay. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on tamise. Avec le tamisage, bien là, on sort tous les petits morceaux. Ces petits morceaux-là, on peut les prendre, on les passe dans un hammer mills, un broyeur, puis ça, on fait de la briquette avec ça. On mélange de l'amidon, de l'eau et de la poudre de charbon pour faire la briquette. Okay. Là, on a un nouveau venu, là, c'est que on travaille avec Woodbridge, justement, dans le noir de carbone pour l'industrie automobile. L'industrie automobile a besoin du noir de carbone, puis ça, ben, c'est qu'ils veulent avoir 5% de carbone à partir d'énergie renouvelable. Okay. Fait que nous autres, on fit là-dedans, là, le 5% de carbone. On fait des tests ici, puis le Ford F-150, le siège, est fait ici avec notre noir de carbone. Bien sûr, des briquettes, mais aussi, vous avez un beau projet avec Ford, justement, là, pour un nouveau produit intéressant. Oui, c'est avec Woodbridge. Woodbridge, c'est une grosse compagnie. Ils ont 68 usines à travers le monde et ils fabriquent des pièces pour l'automobile, des sièges d'automobile. On a développé ici, avec Woodbridge, le noir de carbone, qui est une micronisation de la poussière de charbon. Et puis, c'est mélangé avec de la résine. Et c'est ça qui fait le siège d'auto, la mousse polyurée, la mousse de faune là, dans l'auto. Et la pigmentation noire la rend noire, ça enlève les odeurs. Des propriétés absorbantes pour les odeurs et aussi pour donner l'élasticité au siège. Okay. Je sais que vous avez fait beaucoup de recherches aussi pour diversifier votre production. Il y avait d'autres éléments. Est-ce que c'est vraiment, vous avez décidé de vous concentrer là-dessus ou s'il y en a d'autres peut-être en vue? Bien, c'est sûr qu'il y a d'autres choses. On peut s'en aller dans le produit alimentaire. On en fait aussi pour l'agriculture. On a des petits débouchés de numéro 3 pour l'agriculture qu'on vend déjà à Nutral. Mais il y a beaucoup de... C'est quand même assez large l'endroit où on peut aller avec le carbone et les petits morceaux de charbon. J'aimerais revenir à Régent deux secondes parce que c'est le fun. Toi, tu as comme un regard extérieur. Tu arrives dans l'entreprise, ça fait même pas un an. Comment tu la trouves, justement, l'entreprise? Comment tu trouves l'esprit d'équipe, tout ça? Bien, c'est sûr, c'est une belle entreprise. Il y a un gros potentiel. Il y a beaucoup de nouveaux produits qu'on peut développer. Là, ce que Sylvain parlait avec Woodbridge, soit du charbon activé. Il y a beaucoup, beaucoup de... Je pense que c'est une belle entreprise qui a fait 60 ans, si je me trompe, Sylvain. Depuis 1955. C'est ça, c'est une grosse entreprise. Je pense que c'est une belle entreprise pour la région de Portneuf qu'on veut essayer de grossir. Comme dit, on veut l'amener à un 4.0, là, une usine plus, plus moderne, plus propre un petit peu. C'est ce qu'on veut, là. C'est ce qu'on vise à moyen, à court terme. On a beaucoup de nouveaux projets qu'on veut faire. Parce que quand on a commencé la série d'émissions en 2016, 4.0, c'était pas dans les cartons, on pourrait dire. Mais je pense que ça, c'est devenu la nouvelle réalité de toutes les entreprises en foresterie. Bien, c'est sûr que la main-d'œuvre, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est quand même assez difficile de recruter. On n'a pas le choix d'aller vers l'automatisation pour être capable d'avoir, de faire tourner nos entreprises.
J'aimerais que tu me parles justement de votre équipe, trentaine d'employés, mais il y en a beaucoup que ça fait longtemps qu'ils sont ici. Vous avez une belle équipe, hein? Oui, oui, les gars sont, ils ont un sentiment d'appartenance à Charbon-de-Bois. Mais il y a quand même un roulement de personnel qui est quand même assez grand. Okay. Avec toutes les industries, les entreprises qui ont besoin de personnel, bien, des fois, ils viennent recruter. Puis, mais le noyau est ici puis il va rester ici jusqu'à la fin. Donc, puis ici, on sait qu'on est à Sainte-Christine-d'Auvergne, c'est peut-être pas évident non plus d'avoir des employés qui vont venir ici parce que c'est des gens de Québec ou de l'extérieur, tout ça. Est-ce que c'est un défi pour vous autres, ça? Non, je vous dirais que, étant donné que nous autres, il n'y a pas d'école qui va montrer aux gens comment c'est fait du charbon, comment faire du charbon. Donc, souvent, ce qu'on va recruter, c'est des personnes très travaillantes, mais qu'à l'école, ils ont des difficultés d'apprentissage, mais qui font des employés numéro un. Fait qu'on fait souvent du partenariat avec l'école, des employés qui à l'école, ben, ils sont pas performants ou s'ennuient ou ont de la difficulté à apprendre. C'est pas le modèle à eux autres. Ouais. Donc, on prend 2 jours par semaine, 3 jours par semaine un élève, puis on l'envoie à l'école quand même. Il va à l'école quand même. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'il se réalise. Puis nous autres, on y offre quand même un salaire parce qu'il mérite d'avoir un salaire. Fait qu'on le valorise, puis comme ça, ben il devient un apport important à l'entreprise, puis lui aussi se réalise à travers ça. C'est un partenariat que vous avez développé avec la commission scolaire, c'est ça? Oui, exactement, avec la commission scolaire. Ça fait quelques années? C'est la quatrième année. Quatrième année? Ça vous amène toujours quoi, 2-3 étudiants par cohorte? Environ 2. Ouais. Puis là-dessus, il y en a un qui reste sur 2. C'est pas mal intéressant de voir ça aussi, de cette nouvelle concertation-là, ce réseautage. Est-ce que vous autres, justement, vous l'utilisez beaucoup? Oui, effectivement. Même les professeurs aiment ça, venir nous voir puis nous parler des jeunes. Puis on en prend soin des jeunes. On en a besoin puis on en prend soin. Puis c'est un beau résultat. Justement, c'est très important de le mentionner. Vous avez été partenaire cet été d'une exposition fort intéressante sur le charbon de bois. On sait qu'il y a une centaine, peut-être plus, d'années d'histoire justement sur les fours à charbon. Tout le monde presque en avait un dans sa cour. Hein, les agriculteurs, c'était très commun. J'aimerais que tu nous parles justement de cette collaboration que vous avez faite avec la Maison Plamondon à Saint-Raymond. Bien, c'est qu'au point de vue culturel, c'est très, très, très important de laisser sa trace. Je trouve que les gens qui ont travaillé à Maison Plamondon ont réalisé quelque chose de vraiment beau. Il faut savoir que Portneuf a toujours été l'endroit au Québec où il s'est fabriqué le plus de charbon à cause des essences de bois qui poussent dans Portneuf. C'est le hêtre, l'érable, le merisier. Si on s'en va au lac Saint-Jean, bien là, on a du bouleau, puis on a du sapin puis de l'épinette. Donc, Portneuf a été l'endroit où il s'est développé le plus de fours à charbon. Il y avait 150 fours à charbon dans l'histoire dans Portneuf. Mm-hmm. Et puis, les gros entrepreneurs étaient dans Portneuf aussi. Okay. Puis, si on peut continuer à perpétuer la tradition, bien, tant mieux. Mais de laisser aussi l'histoire dans Portneuf, je trouve ça bien intéressant. Ça nous a fait plaisir de participer à ça. Puis les gens qui ont vu le vidéo, je pense que votre fondatrice est là-dedans. Hein? C'est vraiment quelqu'un de coloré. Oui, dans l'histoire, je vais vous dire, dans l'histoire de charbon de bois, feuilles d'érable, si ça existe encore aujourd'hui, c'est à cause de l'apport de 2 femmes. Il y a Mme Leclerc qui aujourd'hui est âgée de 92 ans. Si elle n'avait pas été là, la marque charbon de bois feuilles d'érable n'aurait pas existé. C'est en 1963 qu'elle a incorporé la compagnie Maple Leaf Charcoal. Elle s'est déplacée à Montréal avec un petit peu d'anglais, puis elle a réussi à fonder Charbon de bois feuilles d'érable. Ensuite, la compagnie a été vendue à une autre dame qui s'appelle Linda Dugas,
malheureusement décédée aujourd'hui. Mais elle, c'est toute elle qui a fait les installer les épurateurs, les incinérateurs pour les fumées. Elle a travaillé très fort, puis encore là, si elle n'avait pas été là, Charbonne-Bois fédéral n'existerait plus. Je pense que c'est elle qui t'a donné le goût aussi. Hein? Oui, c'est Linda. Oui, Linda, c'est un ami qui voulait absolument que je fasse partie de l'entreprise. Je vais terminer avec Régent parce que peut-être sur le terrain, on va le voir moins un petit peu. Régent, justement, comment tu vois ça, le futur? Parce que tu as eu quand même le temps de regarder ça un petit peu. Je vais revenir avec Sylvain pour aussi ça, le futur. Mais comment tu vois ça, le futur ici? Ben, comme vous dites un petit peu ce que vous dites tout à l'heure, le futur, là, ce que je vois, c'est une entreprise qui va progresser, une entreprise qui va être vraiment 4.0. On parle souvent de manque de main-d'œuvre, donc on va essayer de se moderniser un petit peu, de s'automatiser. Ça veut dire quoi pour toi, c'est s'automatiser? Est-ce que c'est des nouvelles affaires qui s'en viennent ou c'est des choses que vous voyez déjà arriver? Ben, ça peut être des nouveaux procédés, ça peut être peut-être un ensacheur automatique. Il y a beaucoup d'ensachage qui se fait à la main, fait qu'on est en train de regarder pour peut-être un ensacheuse automatique. Okay. On s'est fait sortir des plaintes de soumission, fait que peut-être d'ici un ou deux, puis on veut essayer de... En gros, c'est ça qu'à moderniser un four, ça reste qu'un four, c'est un four pareil. Là. C'est peut-être dans un nouveau procédé qu'on a regardé. Là. Actuellement, on a trois ingénieurs qui travaillent pour nous autres. Okay. On regarde des nouveaux procédés pour ça. Fait qu'on a encore on a beaucoup de recherche et développement à faire. Puis tranquillement, là, on va y arriver. Là. Sylvain, toi, comment tu vois ça au niveau du futur? Ben, c'est sûr qu'avoir avoir une entreprise plus performante, étant donné qu'on a de la difficulté à avoir souvent des employés, bon ben, faut limiter aussi les employés. Puis c'est pas mauvais en soi. Là. Quand il n'y en a pas d'employés, faut trouver une façon de faire fonctionner l'usine quand même. Et puis si on est capable d'augmenter nos rendements en charbon, ben, c'est toutes des choses qui existent. Et c'est juste les mettre en place. Puis c'est sûr que le noir de carbone, c'est quelque chose que je vois loin, loin, loin. Peut-être que je suis un grand rêveur, mais moi, pour moi, le noir de carbone, ça peut être aussi important que la fibre de bois étant au porte-papier dans le passé. OK. Et puis, il faut le mentionner aussi, ça reste quand même que vous êtes dans la mentalité aussi on en parlait un petit peu tantôt, de tout récupérer, tout est bon, on essaie de garder le plus possible la bille au complet. Là. Oui, ici, je vous dirais qu'on n'a presque pas de rejet. Le brin de scie, on récupère le brin de scie qui est vendu pour les gens qui ont des chevaux. Okay. Parce que c'est prouvé que les chevaux sont bien capricieux à la poussière. Okay. Dans le brin de scie de résineux, il y a de la poussière. Dans le brin de scie de feuillu, il y en a moins. Okay. Donc, les amateurs, ceux qui ont des chevaux, ben, ils veulent avoir notre brin de scie. Fait que tout est récupéré, la poussière, les fines, les dépoussiéreurs, on est capable aujourd'hui de valoriser la poussière de charbon. Puis Régent parlait de recherche et développement. Je pense que c'est un département, vous autres, c'est hyper important. Oui, c'est très important. Comme il disait, il le mentionnait tantôt, il y a trois ingénieurs qui travaillent ici. Puis on a aussi, on a InnoFib, on a l'Université de Sherbrooke, on a l'Université de Trois-Rivières, puis on a l'Université de Laval aussi à Québec. Okay. Le CRIC qui travaille avec nous autres. Fait qu'il y a beaucoup de partenaires pour la recherche qui nous aident à faire avancer l'entreprise. Les gens, ils viennent ici ou comment ça fonctionne? Ils viennent nous voir, mais on leur fournit des échantillons, okay. Puis on fait de la recherche avec eux autres. Okay. Ah, ben c'est le fun, ça, je ne savais pas ce bout-là. Oui, c'est très, très, c'est intéressant, puis je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens impliqués. Okay. Ils vous redonnent des rapports, comment ça fonctionne? Oui, c'est qu'il y a des rapports qui sont montés, on a des comptes à rendre, puis nous autres, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on paye une partie des recherches, puis on travaille ensemble en partenariat à trouver des résultats. Okay. Bon, ben merci à vous deux, c'est bien gentil, sauf que là, on va aller sur le terrain, je pense que c'est Sylvain qui nous suit, c'est ça? Oui, on va aller vous faire une visite sur le terrain. Ben, merci beaucoup, Régent, à la prochaine. OK, merci bien, merci.
on débute bien sûr notre visite avec bien sûr le début. Il faut couper le bois. En première des choses, le bois, il arrive de où? La majorité du bois arrive de la forêt de Solifort, Solifort Pertuis, qui est un bois de proximité, puis c'est un industriel, c'est une forêt privée, on appelle ça une grande forêt privée. Puis c'est lui qui nous fournit la majorité du bois. On a aussi du bois qui vient des BMMB, on a la Cyridion qui nous fournit aussi du bois. Donc l'approvisionnement en bois vient de la région, en gros de la région de Portneuf. Ça c'est intéressant, ça c'est quand même nouveau d'une dizaine d'années. Hein. L'approvisionnement maintenant, vous pouvez avoir une collaboration avec tout le monde. Oui, puis ça prend la collaboration, puis je vous dirais... dans le temps, Portneuf, c'est une belle région où il y a beaucoup de bois. Puis le bois de proximité, bien, c'est intéressant parce que ça devient, on est capable de rentabiliser les entreprises avec un bois qui est plus près. D'autre, la commodité qu'on a pour les industriels, c'est qu'on peut rentrer le bois durant l'hiver. Puis c'est durant l'hiver que le bois il est tronçonné. Que les vannes, là, quand ils rentrent le bois, ça presse, il faut qu'ils rentrent le bois. Fait que nous autres, on a une grande cour, le bois s'en vient ici tout l'hiver puis on l'a pour toute l'année. Ça, c'est nouveau aussi, c'était pas là dans les premières années que tu as acheté ici? Non, ça ici, c'était une partie qui est zonée industrielle qui appartenait les patates d'Olbec. Puis on les a appelés, on les a approchés, puis c'est des bons partenaires d'affaires. Ils ont dit, écoutez, vous êtes en entreprise, on sait ce que c'est, fait qu'on va vous aider, parce que pour eux autres, ça a une valeur, un champ qu'ils cultivaient, là. Donc, ils ont accepté de nous vendre la partie qui était agricole, qui nous donne un 6 acres de plus. Ils ne sont pas très loin. De toute façon, aussi, ils ont gardé quand même une certaine partie. Hein? Oh, oui, ils ont des immenses champs ici qu'ils cultivent. Là. Donc, non, vraiment, ils ont été très collaborateurs avec nous autres. Okay. Tantôt, on a parlé rapidement, mais vous avez des essences bien précises que vous avez besoin pour chauffer. Oui, bien, la particularité, je vous dirais, là, le charbon de bois, feuilles d'érable, il y a une qualité, il y a une notoriété à cause des essences de bois. Okay. Le hêtre, l'érable et le merisier. On ne pourrait pas essayer de reproduire le charbon ailleurs que dans Portneuf avec les essences de bois qu'on a. Okay. C'est comme, moi, je compare ça à une bonne bouteille de vin. Ouais. Le produit du terroir fait qu'on peut développer un charbon qui ne se fera pas nécessairement en Afrique ou au Texas ou dans d'autres pays, à Cuba. Ça va être des charbons qui vont être différents et qui n'ont pas la même saveur que le nôtre. C'est un produit qui est reconnu à travers le monde aussi. Oui, c'est un des bons charbons à travers le monde. Il y avait le Grand Bouquin à Québec où il y avait 20 inscriptions de compétiteurs, puis il y en a 10 qui utilisaient notre charbon. Ah oui? Oui. C'est bon. Oui, fait que dans les gagnants, on figure dans les bons produits. Là, c'est sûr qu'on ne va pas fonctionner parce que ça mènerait beaucoup de bruit, puis peut-être que vous n'entendriez pas très bien. Mais j'aimerais que tu nous mentionnes qu'est-ce qu'ils font, eux autres. Est-ce qu'ils coupent dans une certaine dimension? Après ça, vous avez on voit qu'il y a des récipients pour amener tout ça. Comment ça fonctionne? Oui, bien, c'est ça. Comme on disait, la première étape, c'est l'arrivée du bois qui s'en vient ici. On l'accumule dans le cours. Après ça, le slasher, lui, la tronçonneuse, coupe les bois en longueur d'environ 16 à 20 pouces de long pour les réduire d'une dimension. Est-ce qu'après ça, on va l'envoyer, vous allez voir ça plus tard. Mais on remplit les fours avec les contenants, puis l'odeur, il tourne ça en rond dans le four. Okay. On va s'en aller peut-être du côté des fours. Est-ce que c'est ça notre prochaine étape? Oui, après, on va suivre l'étape du charbon de la façon dont ça fonctionne, puis on s'en va vers... quand le contenant s'en va ici, on va aller vous montrer à quel endroit il s'en va. Alors, on vous laisse sur quelques images du fonctionnement. Nous, on se déplace. Sylvain, on est devant le four, justement. Celui-là, il vient juste de se faire remplir. Tu me disais, justement, tantôt, avant qu'on entende, qu'il y a une façon de faire. Là. On ne peut pas placer le bois comme ça. Oui, bien, c'est sûr qu'un four, à charbon, il y a 16 entrées d'oxygène qui sont autour du four en bois. On va aller vous le montrer tantôt. Okay. Mais on prend des bûches de 4 pieds pour faire des tunnels pour que l'oxygène soit capable de se déplacer dans le four. On remplit le four avec les bacs, on les tourne, on les envoie dans le four comme ça.
Après ça, on ferme les portes, puis on allume le feu en bas, mais on met des corbeaux sur le dessus. Des corbeaux, c'est des non-cuits, ça, c'est des morceaux de charbon qui prennent facilement. Là, il y a une boule de feu qui se fait au-dessus du four. Ce qu'elle a besoin pour brûler, c'est de l'oxygène. Fait qu'elle va chercher à descendre en bas, puis là, elle va arriver au premier trou. Quand le premier trou est rouge, bien là, on le bouche. Okay. Puis là, et ainsi de suite, il va aller au deuxième trou, troisième, il va faire le tour des 16 trous. Puis ça, ça va monter en température. On a besoin de brûler une partie du bois pour monter en température. Puis le reste, quand on coupe l'oxygène, c'est la chaleur du bois qui fait carboniser le bois, puis c'est ça qui donne du charbon. Donc, il y a une technique importante, puis il y a toujours des gens qui supervisent, c'est ça? Comment ça fonctionne, ça? Ouais, je vous dirais que les travailleurs sont quand même autonomes. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Okay. L'employé, c'est le meilleur, c'est celui qui fait le job. Okay. Sans ça, on ne le mettra pas là. Ouais, je peux pas dire au gars comment ça marche, il sait plus que moi comment ça fonctionne. Ça se déroule sur combien de temps, ça, pour que ça brûle au complet? Une couple de jours? Bien, tout dépendant de l'humidité du bois, mais on parle de 30 heures de déshumidification puis 40 heures de pyrolyse. Okay.